harmonique de l'amour. On se retrouve pour une petite guidance pour les énergies de la semaine. Et cette semaine encore, je vais faire juste un petit tirage comme ça. Je reprendrai mon tirage plus détaillé la semaine prochaine. Mais comme nous sommes encore dans la période des fêtes, puisque je vous tourne cette vidéo un petit peu à l'avance, pour une fois, parce qu'au moment où vous la verrez, je serai avec ma famille. Et donc, j'ai préparé tout ça un petit peu à l'avance. Et comme on est vraiment encore dans cette ambiance des fêtes, et comme en plus de ça, je n'ai pas énormément de temps, parce que j'ai de nouveau un horaire de travail très chargé, que je dois en plus préparer mon petit week-end de 2 jours dans ma famille, je me suis dit que ce serait bien de vous faire à nouveau juste une petite guidance avec un oracle que j'utilise, que j'aime bien utiliser à cette période. Donc, qui est l'oracle du lac des signes. Donc, on va tirer une carte et voir ce qu'elle nous dit. Et on complétera par un petit message de cet oracle-ci. Les yeux de l'intérieur de François Doucet, qui est un de mes jeux perchés. Et je ne pourrai vous dire si il est déjà passé dans les vidéos de mes jeux les plus perchés que je vous ai mis en ligne, vu que j'en ai encore quelques-unes à mettre en ligne. Donc, au moment où vous verrez la vidéo, je ne peux pas vous le dire. Mais peu importe, de toute façon, je vous en ferai une présentation détaillée de celui-là, parce que j'en possède une autre version que je ne garderai pas, parce que je préfère celle-ci. Et je vous montrerai tout ça avant de me défaire de l'autre exemplaire. Bon, revenons donc à une petite guidance. Donc, pour la semaine du 2 janvier 2023. Donc, on va utiliser ce très, 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 très bel oracle. Je pense qu'il reste une carte. Il reste quelques cartes. Une carte. Voilà. Hop. Et on se servira du petit guidebook pour aller voir ce qu'il y a dedans. Et donc, on va demander une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Donc, une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Une guidance pour la semaine du 2 janvier 2023. Ok, et on va prendre celle-ci. Et nous avons les 32. Donc déjà, c'est une belle performance. Donc peut-être que on va nous dire, je vais vous redescendre un petit peu en fait. Pas besoin d'être si haut. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Peut-être que ça va nous dire que nous allons pouvoir recommencer l'année avec une belle énergie. Oui, voilà. Donc le mot-clé, c'est défi. Donc c'est quand même une performance, les 32 fouettés. Hein. Bon, moi, je suis pas... Enfin, j'ai quand même fait 7 ans de danse classique. Mais vraiment, de mes 7 ans à mes 14 ans. Donc, vraiment au niveau de mon enfance, on va dire. Donc, je ne peux pas dire que je sois une spécialiste. Après, j'ai choisi de continuer la musique et je ne pouvais franchement pas faire les deux au niveau du temps et de l'investissement que ça demandait.
Mais voilà, je sais que les fouetter et pour en faire 32 d'affilée, faut le faire. C'est une performance. Et donc, le mot-clé qu'on vous propose pour cette semaine du 2 janvier, c'est le défi. Donc, la carte montre la danseuse Piera Legnani, historiquement la toute première à avoir dansé le lac des cygnes et à avoir interprété le double rôle d'Odette et d'Odile. Plus petite et plus trapue que les danseuses longilignes auxquelles nous sommes aujourd'hui habitués, Legnani reste néanmoins célèbre pour avoir, pour la première fois sur scène, exécuté les fameux 32 fouettés d'Odile à l'acte 3. C'était une fameuse performance. Cette série de tours répétitifs, effectués à un rythme frénétique, représente un instant de haute voltige, de bravoure absolue. Et à la suite de Legnani, toutes les danseuses ayant repris le rôle ont eu à relever ce challenge qui leur permet de démontrer leur degré d'excellence. Donc, cette semaine, on va dire qu'un temps de dépassement personnel s'annonce pour vous. Vous avez le talent, la compétence remarquable. Vous maîtrisez parfaitement le domaine qui est concerné et vous êtes donc prêt aujourd'hui à relever la gageure qui se présente. Ne soyez pas timide. Ayez envie de faire éclater votre excellence officiellement, fièrement. Et ce faisant, ne laissez pas voir l'effort ou les heures de dur labeur qu'il vous aura fallu pour atteindre ce degré de perfectionnement et de maîtrise. Affichez votre plus beau sourire. Soyez au point où les choses se font désormais dans la facilité, dans l'état de grâce. Vos exploits vont impressionner votre audience. Ils créeront un modèle que beaucoup, après vous, vont avoir envie d'égaler. N'ayez donc pas peur de doute, n'ayez donc pas de doute ou de timidité et lancez-vous avec assurance. Donc, on a aussi un petit message de Piera Legnani. Je suis Piera Legnani, danseuse étoile en Russie et première ballerine à avoir incarné sur une scène, la douce Odette et son double plus maléfique, Odile. C'est moi aussi qui ai réalisé pour la toute première fois de l'histoire les 32 fouettés de l'acte 3 du lac des cygnes. Et crois-moi, c'est une sacrée prouesse. C'est ce que je vous disais, hein. Elle m'a rendue exigeante. Donc, si je t'apparais, sache que je ne te demande rien de moins que l'excellence dans ton domaine. Je veux non seulement que tu sois en pleine maîtrise de ton art ou de ton sujet, mais je veux aussi que tu démontres aux yeux de tous que tu l'es. Entraîne-toi, deviens parfait, accomplis tes 32 fouettés, relève ce défi. Mais ne te contente pas de le faire devant le miroir de ta salle de répétition. Monte sur scène, offre-toi au regard du public, à son jugement aussi. Tu n'as rien à craindre, je t'en donne ma parole. Alors, en scène, camarade. Donc, peut-être que cette semaine, on vous demande surtout de montrer publiquement vos capacités. Je le ressens comme ça. Je pense que vous devez avoir, dans, je ne sais pas quel domaine, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais dans un domaine particulier, une compétence, quelque chose que vous savez faire, que vous savez vraiment bien faire. Et simplement, on vous dit, n'ayez plus peur de montrer que vous savez le faire. Faites-le. Montrez-le. Et ça va être bien accueilli. Alors, bon, bah les questions justement, hein, c'est dans quel domaine, voilà, ça vous allez voir. Après, ça c'est plus quand on fait pour soi-même et qu'on ne sait pas trop. Donc je ne vais pas vous lire les questions, après vous les voyez, vous pouvez toujours faire pause et si ça vous parle, eh bien répondez-y. Mais je pense que ici c'est à chacun de savoir dans quel domaine vous avez des compétences à montrer au monde.
Je pense que ça va vraiment être différent pour chacun, y compris dans le domaine relationnel, parce que ça n'a pas besoin non plus d'être quelque chose qui va nécessairement paraître dans la presse, ce que vous allez faire. Mais peut-être que vous allez dénouer une relation, imaginons, hein, quelque chose à l'intérieur d'une relation, et que personne d'autre que vous n'aurait été capable de le faire. Ça peut être possible que ce soit ce genre de choses-là, ce genre de compétences-là, qu'on vous demande de montrer cette semaine. Maintenant, je vais quand même vous lire l'affirmation, puisqu'elle va concerner tout le monde. Je prends conscience de tous les domaines où j'excelle, parce que évidemment, pour pouvoir aller montrer cette compétence, il faut que vous en ayez conscience. Donc, voilà, c'est bien. Je prends conscience de tous les domaines où j'excelle. J'accepte d'étinceler et de montrer à tous mon excellence. Je relève le défi et l'accomplis avec brio. Voilà, donc c'est un beau message, je trouve, quand même. Et c'est très motivant pour commencer l'année. Et je me dis que... c'est peut-être même une énergie qui pourrait perdurer pour toute votre année. Mais je trouve quand même que pour commencer l'année, c'est quand même un beau message. Et nous allons aller compléter avec une carte de ce petit oracle, donc les yeux de l'intérieur de François Doucet. Bon, je vais le mélanger hors caméra, ce sera plus facile pour moi. Franchement, je suis quand même drôlement plus à l'aise. D'autant qu'il y a déjà la boîte là d'un côté. Il y a déjà l'autre carte, donc ça devient un peu plus compliqué. Mais si je n'ai pas voulu tirer les cartes à l'avance parce que je voulais en tirer que deux, donc je me suis dit que je pouvais le faire avec vous. Ce serait pas mal. Donc, on va... compléter le petit message pour cette semaine du 2 janvier. Finalement, c'est pas mieux. Hein. Si je mélange devant la caméra, enfin derrière la caméra, on peut dire comme ça, parce que j'accroche quand même le pied. Hein, parce que le pied est juste devant moi, donc. Bon. Quand je referai mon grand tirage, je ferai comme j'ai fait pour les vidéos de Noël. Je le placerai hors caméra. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Allez, le petit message pour compléter. On va prendre celle-ci. J'adore quand même les synchronicités. Vous voyez, j'adore tirer les cartes pour cette raison. Regardez-moi ça. Déjà, est-ce que vous ne trouvez pas que les coloris des deux cartes s'harmonisent parfaitement? On a cette espèce de rouille sur les deux cartes et on a le noir sur les deux cartes. Alors, on a la ballerine qui exécute les trompes de fouetté. Et ici, vous avez quand même quelqu'un qui est en équilibre sur une main. Bon. Le rapport est quand même assez évident pour moi. C'est pour ça que j'adore tirer les cartes. Parce que c'est juste magique. J'avais combien de chances de tirer cette carte-là? Je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, c'est pas noté combien il y a de cartes. Oui, 54 cartes. Donc, j'avais une chance sur 50 cartes, sur 54 de celui-ci. Donc, je vous montre, hein. 54 cartes, j'avais une chance sur 54 de tirer cette carte qui est dans les mêmes coloris que celle-ci. Et alors, on va quand même lire le message, hein, parce que bon, je suis un être extraordinaire, magnifique, exceptionnel, fantastique, miraculeux et prodigieux. À partir de maintenant, je l'accepte pour toujours et à jamais. Est-ce que ce n'est pas magique de se dire qu'avec des cartes,
on arrive vraiment à avoir ces messages qui sont cohérents. Vous voyez, pendant longtemps, j'aurais pas cru aux cartes. J'étais très très rationnelle et malgré que j'ai toujours été connectée à mon intuition, mais je ne le savais pas. Hein, je vous en ai déjà vaguement parlé, un jour je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais il y a encore 10 ans de ça, j'aurais dit, mais c'est de la bêtise ça. Franchement, tirer les cartes, connaître l'avenir, ça sert à quoi? Après, je vous avoue franchement que je fais très très peu de divinatoire et que connaître l'avenir ne m'intéresse pas tellement. Par contre, pour avoir un conseil, pour savoir comment, pour savoir pourquoi, pour savoir plus au niveau de la guidance, eh bien, je trouve ça magique. Je trouve ça magique parce que quand on voit ce tirage, on ne peut que croire que ça fonctionne. Puisque, quelle chance j'avais statistiquement pour que ces deux cartes-là tombent ensemble. Donc voilà, je pense que ça peut faire partie aussi de la guidance de la semaine. C'est que vous êtes exceptionnel, vous êtes magique. Et croyez-y. Croyez-y que vous êtes magique. La magie, elle existe, elle existe, elle existe. Vous l'avez devant les yeux avec ce tirage. Vous êtes magique. Croyez-y. Et cette semaine, répandez votre magie personnelle. Vous avez chacun et chacune d'entre vous une magie personnelle. Eh bien, cette semaine, rayonnez votre magie, répandez votre magie. Je vous souhaite une merveilleuse première semaine de l'année 2023. Je vous souhaite aussi une merveilleuse année 2023 remplie de tout ce que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et d'ici qu'on se retrouve, portez-vous bien. Bye bye.